Je peux te passer? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quand on veut dépasser, donc il y a toujours trois choses à vérifier. Si on a l'autorisation, si devant on a assez de visibilité, et si derrière il y a personne qui ne dépasse. Alors la première solution, donc est-ce que j'ai le droit de dépasser? La ligne me l'autorise, donc pas de souci. Par contre, ce qu'on voit sur l'autre voie, on voit des flèches de rabattement. Je vous rappelle, ces flèches de rabattement donc, stipulent qu'on doit se rabattre. Pourquoi? Parce que bientôt, cette voie va disparaître. Et donc, on a toujours trois flèches pour nous indiquer ce rabattement. Donc, est-ce qu'on va entamer un dépassement? Qu'on a une flèche de rabattement? Non, parce que la première flèche de rabattement va se trouver à environ 150 mètres de la fin de la voie. Donc 150 mètres, c'est trop court pour effectuer un dépassement. Pour effectuer un dépassement, je vous rappelle, il faut environ entre 250 et 30 mètres. Donc là, on n'a pas assez de distance, malgré qu'on avait personne qui ne dépasse derrière. Et là, la distance sera trop courte. Donc je peux dépasser? Non. Réponse B. Question numéro 31. Quelles sont les activités qui peuvent perturber la conduite? Manger. Réponse A. Téléphoner avec une oreillette. Réponse B. Écouter de la musique. Réponse C. Fumer une cigarette. Réponse D. Alors, quelles sont les activités qui peuvent perturber la conduite? Donc, par exemple, si notre attention est vraiment portée sur autre chose, ou si, par exemple, nos mains ne sont pas disponibles. Donc, si je mange en conduisant, donc forcément, mes deux mains ne vont pas être disponibles. Donc, forcément, ça peut perturber la conduite. Si jamais donc il faut réagir sur les commandes très rapidement, j'ai pas les deux mains disponibles. Alors téléphoner avec une oreillette, donc ça forcément ça perturbe la conduite puisque notre attention va être portée sur la conversation qu'on a au téléphone. Écouter de la musique, donc ça généralement ça perturbe pas plus que ça. Plus que ça, on peut écouter de la musique tout en conduisant parce que la musique c'est un fond sonore. On ne va pas forcément être très attentif à la musique. Par contre, fumer une cigarette, voilà pareil. Avoir donc la main, par exemple une main qui est en train de tenir une cigarette. Donc on ne va pas forcément libre les mains. Donc les activités qui peuvent perturber la conduite. Donc, sans manger, téléphoner et fumer. Donc, bonne réponse A, B et D. Étant le premier, pour plus de sécurité, il est préférable de commencer par baliser les lieux. Réponse A. Alerter les secours. Réponse B. Évaluer l'état des victimes. Réponse C. Secourir. Réponse D. Alors, attention, on nous demande dans la question. Donc, il est préférable de commencer par, c'est-à-dire, donc on doit commencer par quelque chose. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs réponses à cette question? Non, on commence toujours par quelque chose. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Donc attention, ce qu'on met déjà plusieurs réponses, c'est faux. Il faut choisir parmi les quatre réponses. Et on commence par faire quoi? Alors dans un premier temps, il va falloir donc protéger.
Ensuite, il va falloir alerter et en dernier, éventuellement, secourir. Donc, protéger, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut pas que le premier accident fasse un autre accident. Vous voyez que ce soit plus grave déjà, ce qu'il est. Donc, il va falloir dans un premier temps baliser les lieux. Donc, pour permettre donc aux autres conducteurs de voir d'arriver doucement, de pas donc avoir ce qu'on appelle le suraccident, c'est-à-dire un deuxième accident à cause du premier. Donc, on va baliser, soit remettre des triangles, un véhicule devant, feu détresse, etc. Mettre des gens avec des gilets qui préviennent de ralentir, voilà, on a plusieurs solutions forcément pour baliser les lieux. Donc, le second des jeudis, on alerte les secours. Donc, avant, il faut évaluer forcément l'état des victimes. Et en dernier, on secourt, mais dans un premier temps, on commence par baliser les lieux. On protège. Bon, réponse A. Dans une zone de rencontre, tous les usagers peuvent y circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 30 km heure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, une zone de rencontre, donc est-ce que tout le monde peut y circuler, qui n'importe qui peut y entrer, il n'y a aucune restriction. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est une zone de rencontre par rapport à une rue normale. C'est que les piétons ont le droit de marcher en plein milieu de la route, vous voyez, comme c'est le cas. Donc, tout le monde cohabite les piétons, les véhicules, les deux roues, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rouler très lentement, puisqu'on peut avoir des piétons en plein milieu de la route. Donc oui, tout le monde peut y aller. Donc par contre, est-ce que la vitesse est limitée à 30 km heure? Alors on a ce panneau qui annonce une zone de rencontre, et on peut voir inscrire sur ce panneau que la vitesse est limitée à 20 km heure, et non 30. Donc bonne réponse A et D. Je peux circuler en feu de croisement? Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de route? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les feux de croisement, quand est-ce qu'on les utilise? Donc, il n'y a qu'une seule condition pour pouvoir utiliser les feux de croisement. Il faut que la chaussée soit éclairée. Il faut qu'il y ait de l'éclairage public. Ici, c'était le cas. Donc, on a l'éclairage public. Donc, je peux utiliser les feux de croisement. Les feux de croisement servent surtout à nous faire voir, surtout. Donc, oui, ici, donc, comme la chaussée est éclairée, je peux utiliser les feux de croisement. Les feux de route. Alors les feux de route, du coup, c'est l'inverse des feux de croisement. C'est quand la chaussée n'est pas éclairée, forcément, à condition d'avoir personne en face. Donc comme la chaussée est éclairée, je n'ai pas le droit d'utiliser les feux de route. Donc bonne réponse A et D. Lors d'un long trajet, je fais une pause au moins toutes les heures. Réponse A. Toutes les 2 heures. Réponse B. Toutes les 4 heures. Réponse C. Alors, si je veux effectuer un long trajet, donc il est conseillé de faire une pause au moins toutes les 2 heures, d'accord? Donc, si au moins, ça veut dire au plus tard. Au plus tard, il faut essayer de ne pas dépasser les 2 heures. Alors, forcément, je peux faire une pause toutes les heures. Forcément, il n'y a pas de souci.
Mais il faut pas, il faut éviter de dépasser 2 heures de conduite d'affilée. Et petit rappel, une pause c'est au minimum un quart d'heure, 15 minutes. Sinon, si on s'arrête, on repart aussi tôt, ça sert à rien. Si on n'appelle pas ça une pause, donc c'est au moins toutes les 2 heures. Bon, réponse B. Pour utiliser ce disque de stationnement, je le règle sur l'heure d'arrivée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le pose sur le tableau de bord à la vue de tout. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, quand on a ce type de panneau, donc ça nous annonce que le stationnement est interdit, sauf si j'utilise un disque de stationnement, et ce disque de stationnement est obligatoire entre 8h et 19h. Par exemple, sur ce panneau, on n'a droit qu'à 1 heure maximum. Donc, comment faire? Donc, on stationne notre véhicule et justement, on va utiliser ce disque de stationnement. On va le régler à l'heure, forcément, qu'on arrive. Donc, par exemple, 15 heures, forcément, donc suivant la durée qu'on a droit, ici, donc, c'est 1 heure maximum, on sait automatiquement qu'on a le droit jusqu'à 16 heures, parce qu'on n'a pas le droit de plus d'1 heure. Donc, forcément, je vais régler sur l'heure d'arrivée. Et je vais le poser, bien sûr, sur mon tableau de bord à la vue de tous. Alors, à la vue surtout donc, des agents publics qui vont vérifier si justement on n'a pas dépassé l'heure maximum, donc c'est-à-dire donc si elle est réglée à 15h et les 16h30, forcément j'ai le droit à une petite amende parce que j'ai dépassé le temps donc limite. Donc là, ce qu'il faut savoir, il faut toujours voilà, le mettre à la vue de tous. Donc je le règle bien sûr sur l'heure d'arrivée et je le pose sur le tableau de bord à la vue de tous. Donc A et C. Pour dépasser ce cycliste, je peux laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre, réponse A, 1,50 m, réponse B, 2 mètres, réponse C. Alors, pour savoir l'intervalle de sécurité, donc qu'il faut laisser déjà au minimum, la question qu'il faut se poser, c'est si on est en ville ou pas. Donc, vu le paysage, on est hors agglomération. Donc, hors agglomération, pour dépasser un cycliste, il faut laisser entre le cycliste et mon véhicule au minimum 1,50 m. Donc, je ne peux pas laisser 1 mètre, ce serait beaucoup trop proche. Je vous rappelle pourquoi. Parce que si jamais le cycliste fait d'écart, forcément, ça peut être très dangereux. Donc, je dois laisser au minimum 1,50 m. Alors, la question, c'était pas combien on peut laisser au minimum, si je peux laisser combien. Donc, je peux laisser forcément le minimum, je peux laisser les 1,50 m. Mais je peux aussi laisser 2 mètres, forcément. Je peux laisser beaucoup plus que le minimum. Toujours attention de bien lire les questions. Ce n'était pas au minimum combien. C'est je peux laisser quel intervalle. Donc P et C. Rouler avec les vitres ouvertes entraîne une surconsommation importante en ville. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, quand on circule, quand on avance avec un véhicule, ce qui ne freine surtout, quand on roule assez rapidement, c'est l'air.
Donc l'air va circuler tout autour de la voiture. Donc dessus, sur le côté, si jamais on a les vitres ouvertes, qu'est-ce qui se passe? L'air va s'engouffrer dans la voiture et l'air donc va s'arrêter où? Va s'arrêter surtout au niveau de la vitre arrière, s'il pénètre dans la voiture, donc, ce qui va freiner la progression des véhicules. Et tout ce qui freine la progression du véhicule fait forcément consommer plus de carburant. Alors, est-ce que ça entraîne une surconsommation importante en ville? Donc, en ville, parce qu'on ne circule pas à très vive allure. Donc, la surconsommation n'est pas très importante. Donc, même, elle est préférable quand il fait chaud de rouler avec les vitres ouvertes, plutôt que d'utiliser la climatisation. Il va consommer beaucoup de carburant. Donc en ville, comme l'air ne circule pas très vite, la pénétration dans l'air ne va pas être très importante. Donc on n'a pas une surconsommation importante de carburant. Par contre, sur autoroute, là forcément, comme on roule beaucoup plus vite, on a beaucoup plus d'air qui va arriver dans le véhicule, ce qui va le freiner beaucoup plus qu'en ville. Donc la surconsommation est importante sur autoroute. Et forcément, c'est très désagréable d'avoir les vitres ouvertes sur autoroute. Ça fait beaucoup d'air. Donc bonne réponse, B et C. Je circule à 80 km heure. Je garde la même allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je serre à droite. Réponse C. Alors ici, je circule à 80 km/h, donc c'est la vitesse maximale qui est autorisée hors agglomération. Et là, on arrive à une situation, on a un véhicule qui vient de la route, qui se trouve sur notre droite, et vu comment il se trouve, il a un petit peu tardé à s'engager, donc forcément, moi j'arrive vite, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire pour plus de sécurité? Donc bien sûr, il va falloir ralentir, même si on peut dire qu'il est déjà passé, il faut mieux ralentir. Et bien sûr aussi serrer au maximum à droite. Alors, pas rouler en dehors du pointillé, et on va serrer au maximum à droite pour passer le plus loin possible de ce véhicule qui a tardé à s'engager. Donc je ralentis et je serre à droite. Bonne réponse, B et C. Numéro 11. En cas de vente d'un véhicule, le certificat d'immatriculation doit être modifié dans un délai de 15 jours, réponse A, ou un mois, réponse B. Le certificat d'immatriculation, c'est-à-dire la carte grise, permet d'identifier le véhicule et le propriétaire. En cas de vente du véhicule, le nouveau propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire procéder aux modifications du certificat d'immatriculation. Bonne réponse, B. Question 5. Après cette signalisation, le stationnement est payant? Réponse A. Gratuit? Réponse B. Je devrais utiliser un disque de stationnement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous allez entrer dans une zone bleue où le stationnement est gratuit mais à durée limitée. Vous devrez utiliser un disque de stationnement. En réglant votre disque sur l'heure d'arrivée, il vous indiquera l'heure à laquelle vous devrez quitter votre stationnement sous peine d'être verbalisé.
L'usage du disque de stationnement n'est pas obligatoire le dimanche et les jours fériés. Réponse B et C. Question 3. À cette allure, la distance parcourue pendant le temps de réaction est d'environ 10 mètres. Réponse A. 20 mètres. Réponse B. 30 mètres. Réponse C. 40 mètres. Réponse D. Le temps de réaction est le moment qui s'écoule entre la perception d'un événement et le moment où vous agissez face à cet événement. Dans des conditions normales, le temps de réaction est estimé à 1 seconde en moyenne, à 110 km/h. La distance parcourue pendant ce laps de temps est d'environ 30 mètres. Vous pouvez évaluer approximativement cette distance en multipliant le chiffre des dizaines de votre allure par 3. Réponse C. Question 14. En général, ce panneau est rappelé tous les 2 km. Réponse A. Tous les 5 km. Réponse B. Après chaque intersection. Réponse C. Avant chaque intersection. Réponse D. Les routes classées à caractère prioritaire sont signalées par ce panneau. Tous les 5 km environ, à titre de rappel, un panneau de ce type jalonne les routes concernées. Cette indication est aussi reprise après chaque intersection. Réponse B et C. Question 15. La distance de sécurité est suffisante? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux dépasser? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous circulez sur autoroute. Vous pouvez estimer la distance de sécurité minimale à maintenir avec le véhicule qui vous précède en multipliant le chiffre des dizaines de votre allure par 6. Cette distance correspond environ à 2 traits de bande d'arrêt d'urgence. Votre distance avec le véhicule de devant est donc insuffisante. Dans votre rétroviseur, un véhicule s'apprête à vous dépasser. Vous ne pouvez donc pas vous-même entreprendre une telle manœuvre. Réponse B et D. Question numéro 16. Sur cette route, je circule à 110 km/h. Je peux m'insérer avant le véhicule blanc? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je poursuis l'accélération? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une voie d'insertion permettant d'accéder à une chaussée à sens unique limitée à 110 km/h. Une voie d'insertion est conçue pour accéder à une chaussée principale sans gêner la progression de ceux qui y circulent. Dans le cas présent, je suis proche de la fin de la voie et j'ai déjà atteint la limitation de vitesse maximale sur cette chaussée. Je maintiens l'allure et je peux m'insérer sans gêner le véhicule blanc. Bonne réponse, A et D.
Question 17. Je suis bien placé pour aller en direction de l'autoroute A7. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux changer de fil. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les flèches placées sur les panneaux indiquent les directions desservies par les différentes voies. Par conséquent, vous n'êtes pas bien placé pour aller en direction de l'autoroute A7. La ligne continue étant infranchissable, vous ne pouvez plus changer de voie de circulation et devez continuer en direction du centre-ville. Réponse B et D. Question 18. En général, le temps de réaction est d'environ un quart de seconde. Réponse A. Une demi-seconde. Réponse B. Une seconde. Réponse C. Deux secondes. Réponse D. Le temps de réaction est le temps qui s'écoule entre le moment où vous percevez une information et le moment où vous apportez une réponse à cette information. Ce temps peut varier en fonction des individus et de leurs conditions physiques. En règle générale, le temps de réaction est d'environ une seconde. En une seconde, vous parcourez environ 15 mètres à 50 km/h, 27 mètres à 90 km/h et 39 mètres à 130 km/h. Réponse C. Question numéro 19. Le chargement d'une voiture peut dépasser de plus d'un mètre. À l'avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À l'arrière. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour un chargement encombrant, la règle est simple. Il ne doit pas dépasser l'aplomb avant du véhicule. À l'arrière, le chargement peut dépasser jusqu'à 3 mètres maximum. Mais au-delà d'un mètre, le chargement doit être signalé par un dispositif réfléchissant rouge, visible dans toutes les directions, complété par un feu rouge si je compte circuler la nuit ou lorsque la visibilité est réduite. Bonne réponse, B et C. Question numéro 20. En prenant à droite, je vais circuler sur une autoroute, réponse A, une route, réponse B, un itinéraire de substitution, réponse C, un itinéraire bis, réponse D. Cette signalisation sur portique est une signalisation avancée de sortie. Le registre bleu confirme les directions desservies par l'autoroute ainsi que le nombre de voies affectées. Le registre blanc indique la direction desservie par la route ainsi que l'endroit où l'usager doit commencer la manœuvre pour quitter l'autoroute. En prenant la sortie à droite, j'emprunterai donc une route. Ce signal à fond jaune est un panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire S, dit de substitution. Un itinéraire de substitution est mis en place lorsqu'une autoroute connaît des perturbations. L'usager peut ainsi facilement identifier l'itinéraire et l'emprunter pour éviter les difficultés de circulation.
Bonne réponse, B et C. Question numéro 21. Je prends la prochaine sortie. Je peux encore dépasser? Réponse A. Ou je reste à droite? Réponse B. J'approche de la sortie d'une autoroute, comme l'indiquent ces panneaux de signalisation avancée, et je veux emprunter cette sortie. La distance avant la sortie est beaucoup trop courte, et bien que je roule plus vite que le véhicule devant moi, je ralentis et je reste sur la voie de droite pour éviter de faire une queue de poisson en voulant le dépasser. Bonne réponse, B. Question numéro 22. Je tourne à gauche, je cède le passage. À gauche et à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. En face? Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque le feu clignote, tous les feux de l'intersection sont clignotants. Dans ce cas, je tiens compte du panneau implanté sur le feu. Il indique que je circule sur une route à caractère prioritaire et que je bénéficie de la priorité de passage. Les usagers venant de droite ou de gauche vont rencontrer un signal céder le passage. Les usagers venant de face rencontrent une signalisation identique à la mienne. Je tourne à gauche. Je cède le passage en face. Bonne réponse, B et C. Question numéro 23. Je suis bien placé si je circule à 80 km/h? Oui, réponse A. Non, réponse B. À plus de 80 km/h? Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur autoroute, pour ne pas gêner les autres usagers, il est interdit de rouler à une allure anormalement réduite sans raison valable, et quelle que soit la voie de circulation empruntée. Sur la voie de gauche, les usagers doivent circuler au moins à 80 km/h lorsque les conditions de circulation sont excellentes. En revanche, je dois, en marche normale, circuler dans la voie de droite. Bonne réponse, B et D. Question numéro 24. Ce panneau annonce une bifurcation d'autoroute? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une sortie? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonce à 2000 mètres une bifurcation autoroutière et une sortie rapprochée. Un premier embranchement signale une sortie d'autoroute par un encart blanc comportant un symbole d'échangeur et son numéro. Un second embranchement signale une bifurcation d'autoroute par les cartouches rouges, leurs lettres A et leur numéro. Bonne réponse, A et C. Question 25. Je suis titulaire du permis depuis moins de 2 ans. À partir du panneau, je pourrais circuler à 100 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 70 km/h, réponse D.
Je circule sur une chaussée à double sens de circulation. Titulaire du permis depuis moins de 2 ans, ma vitesse sera donc limitée à 80 km/h dès le panneau de sortie d'agglomération franchi. Je ne suis cependant pas tenu de rouler à la vitesse maximum autorisée. Je pourrais donc circuler à 70 ou 80 km/h. Réponse C et D. Question 26. À l'intersection annoncée, je devrais céder le passage à droite. Réponse A. Céder le passage à gauche. Réponse B. M'arrêter. Réponse C. La signalisation de danger avec croix de Saint-André annonce une intersection où je serai tenu de céder le passage à tous les conducteurs qui débouchent de la droite. Toutefois, si personne n'arrive de droite, je n'ai pas l'obligation de m'arrêter en abordant ce carrefour. Réponse A. Question 27. Je ralentis. Réponse A. Je conserve mon allure. Réponse B. En règle générale, lorsqu'un usager vous dépasse, vous n'êtes pas tenu de ralentir. Cependant, ici, le conducteur revient de façon prématurée à droite. C'est pourquoi, afin d'éviter les risques de collision, vous devez ralentir. Réponse A. Question numéro 28. Je peux faire un arrêt sur l'emplacement. À droite derrière le véhicule? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau indique un emplacement sur lequel l'arrêt et le stationnement sont autorisés. Il est tout de même important de ne pas se placer trop près du poids lourd au cas où ce dernier souhaiterait effectuer une marche arrière. Il est très important de rester visible dans ses rétroviseurs lorsque je me trouve derrière lui. De plus, en repartant, je vais devoir m'assurer qu'aucun véhicule ne se trouve en situation de dépassement en sens inverse, car je vais être masqué par le camion. Hors agglomération, il est interdit de s'arrêter à gauche lorsque l'accotement droit est praticable. Bonne réponse, A et D. Question 29. J'entre dans un lieu-dit? Réponse A. Une agglomération? Réponse B. Je circule sur une route départementale? Réponse C. Nationale? Réponse D. Le panneau rectangulaire blanc, encadré de rouge, indique que vous entrez dans l'agglomération de Villenouvelle. Le panneau d'entrée dans cette agglomération suffit pour limiter la vitesse à 50 km/h. Vous devez donc ralentir. Le cartouche rouge situé au-dessus du panneau d'entrée en agglomération indique que vous circulez sur la route nationale numéro 113. Réponse B et D. Question 30. À cette intersection, je suis prioritaire. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je mets le pied au-dessus du frein. Réponse
D. La signalisation confirme qu'à cette intersection, vous êtes prioritaire. Cependant, pour limiter les risques, vous devez ralentir et placer votre pied au-dessus du frein. En effet, malgré votre priorité, cet usager pourrait s'engager. La réponse A, C et D. Question 31. La force centrifuge varie en fonction de l'allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. En fonction de la masse du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. La force centrifuge entraîne le véhicule vers l'extérieur du virage. Plus l'allure est élevée et plus la force centrifuge s'intensifie. Si, par exemple, vous doublez votre allure, la force centrifuge est multipliée par 4. La masse du véhicule est également à prendre en compte car plus il est lourd et plus la force est importante. Pour réduire les risques liés à ce phénomène, vous devez ralentir. Réponse A et C. Question 32. Je ralentis. Réponse A. Je place le pied au-dessus du frein. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Le marquage au sol et le panneau stop confirme qu'à cette intersection, vous êtes prioritaire. Cependant, afin d'anticiper les éventuelles erreurs des autres usagers et d'éviter les risques d'accident, vous devez ralentir et placer votre pied au-dessus du frein. Réponse A et B. Question numéro 33. Je suis ce véhicule à 70 km/h. La distance de sécurité est suffisante? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle que soit la vitesse, la distance de sécurité doit être au moins égale à 2 secondes, ce qui correspond approximativement pour 70 km/h à 42 mètres. 7 multiplié par 3 pour 1 seconde et multiplié par 2 pour 2 secondes. Ici, sans même compter les traits du marquage, je peux voir que je suis loin du compte. Et que si un incident survient devant le véhicule, je ne pourrai pas réagir correctement. Je ralentis pour augmenter ma distance de sécurité. Bonne réponse, B et C. Question numéro 34. La limitation de vitesse s'applique par temps de pluie, oui, réponse A, non, réponse B, par temps sec, oui, réponse C, non, réponse D. Je circule hors agglomération sur une chaussée à double sens de circulation. En règle générale, sur ce type de route, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.
mais le panneau de limitation de vitesse ne me permet de circuler qu'à 70 km/h maximum. Cette limitation de vitesse s'applique par temps sec comme par temps de pluie. Bonne réponse. A et C. Question numéro 35. Ce signal annonce la réduction du nombre de voies. Oui, réponse A. Non, réponse B. La fin d'une autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique la réduction du nombre de voies sur une route à chaussée séparée ou sur un créneau de dépassement à chaussée séparée. Le panonceau situé au-dessous précise que cette indication s'applique à 200 mètres. Ici, le panneau est implanté à la fin d'une voie pour véhicules lents. La réduction du nombre de voies passant de 3 à 2 s'effectue donc par la gauche. La fin d'une autoroute serait signalée par ce panneau. Bonne réponse. A et D. Question numéro 36. Je peux suivre le véhicule qui dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation, comme l'indique la ligne de rive discontinue à gauche. La visibilité vers l'avant est masquée par cette voiture qui dépasse. J'attends que ce véhicule termine sa manœuvre. Bonne réponse. B. Question 37. Le danger annoncé est situé à 150 mètres environ. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'étend sur 400 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule hors agglomération. Le panneau de danger est donc situé à 150 mètres environ du début de la zone dangereuse. Le panonceau qui le complète est un panonceau détendu qu'il ne faut pas confondre avec un panonceau de distance. Ici, il donne une précision sur la longueur de la zone dangereuse, qui est une succession de virages s'étendant sur une distance de 400 mètres environ. Réponse A et C. Question 38. Je peux dépasser cette autocaravane par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me dirige vers une bifurcation d'autoroute. Les panneaux bleus au fond et les flèches au sol m'informe de cette séparation. La bifurcation a déjà été annoncée par des panneaux de présignalisation. Chacun a eu tout le temps nécessaire pour choisir sa direction, et une fois engagé, il n'est plus temps de changer de voie. Je peux donc dépasser cette autocaravane par la droite en toute sécurité. Réponse A. Question 39. Je peux encore tourner à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
lorsque vous souhaitez effectuer un changement de direction, vous devez ni surprendre ni gêner les autres usagers. Or ici, en effectuant une telle manœuvre, vous risqueriez de surprendre le conducteur qui vous suit. Vous ne pouvez donc plus tourner. Réponse B. Question numéro 40. En circulation, le véhicule le moins polluant fonctionne au gazole, réponse A, au GPL, gaz pétrole liquéfié, réponse B, à l'essence, réponse C, à l'électricité, réponse D. Le CO2, dioxyde de carbone, est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Les véhicules fonctionnant au gazole, à l'essence et au GPL émettent à des niveaux différents du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone. Les véhicules diesel émettent également des particules à l'origine de problèmes pulmonaires. Enfin, les véhicules électriques n'émettent aucun gaz lorsqu'ils circulent, aucune particule, et de plus, aucune émission sonore, ce qui en fait le véhicule le moins polluant en circulation et un véhicule idéal pour la ville. Bonne réponse, D. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici.